Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier et ajouter un fond d'écran virtuel dans Zoom Meeting. Pour commencer au lancement de l'application, on va se rendre dans les paramètres à partir de cette icône. On vérifie si la rubrique arrière-plan virtuel est apparente. Si ce n'est pas le cas, on se rend alors dans les paramètres avancés. Toujours dans l'onglet paramètres, on va descendre pour trouver la fonction arrière-plan virtuel pour l'activer. Puis enfin, on se rend à travers les paramètres de l'application dans ces paramètres d'arrière-plan virtuel. Vous pouvez alors voir l'affichage de votre caméra, mais surtout afficher un arrière-plan si besoin. Dans ce cas, vous avez deux choix, soit sans écran vert que vous indiquez ici. On va alors vous informer si votre ordinateur est assez puissant pour cela. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir utiliser un fond vert ou d'une couleur assez vive et différente de celle vous représentant. Car si vous en ajoutez un, voilà ce qui se passe. En sélectionnant la couleur à remplacer, votre couleur n'étant pas uniforme sur l'écran, votre arrière-plan ne va être que partiel. Pour l'exemple, je vais utiliser une serviette de bain de couleur verte et définir cette couleur à remplacer. Et comme on peut le voir, l'arrière-plan est plus homogène. Par la suite, vous pouvez le modifier en choisissant n'importe quelle image que l'on vous propose, ou bien avec la fonction plus, ajouter une image stockée sur votre ordinateur comme celle-ci. Pour terminer, vous n'avez plus qu'à vous rendre dans une réunion. Ici, vous retrouvez les paramètres vus précédemment. Puis, en activant votre caméra, vos interlocuteurs pourront alors constater votre arrière-plan. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. À très bientôt.